צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. Ici Houston, vous pouvez répéter? צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. Houston, on a un problème. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. You gotta let it burn, baby, burn, baby. This house is on fire. Ils sont complètement fumés, quoi. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים. ויש! כל שבוע, ארוס, שרוף, מרוסק. אין לכם לאן לחזור, עזתים. כל העזתים היקרים, אתם לא יקרים, אתם זולים. הם הומלסים, הומלסים. אנחנו נאמלל אתכם. אנחנו נראה לכם מה זה, מי שולט פה. אתם תמותו. לא, אין לכם לאן לחזור, אתם הומלסים, הומלסים אתם! Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Ça, je vous le dis ici. Vous êtes méchants! Pourquoi les Israéliens font ça? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Apparemment, la réponse est oui. Oui, 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 oui. C'est moi qu'on puisse dire. Merry Christmas. On est sous la menace du joug, la menace islamiste, y compris chez nous en France. Ceux qui ne l'ont pas vu encore ou ceux qui font semblant de ne pas le voir devraient ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Meyer Habib, arrêtez! Respectez l'autorité de la présidence! J'arrive pas. Respectez l'autorité de la présidence et sortez si vous n'êtes pas content. On se passera de vous. מגן על הדמוקרטיה הצרפתית ועל הערכים הצרפתיים ועל הערכים המשותפים שלנו בשביל ישראל. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Vous êtes juifs? Hello, Joe. This is pure anti-Semitism. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Ça, l'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Israël est une armée morale. Deux, deux, un. Wow! Wow! Fucking A! צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים. קסקה צ'ימאו רקונטלה. אך, עזה נשרפת, תשרפו חיים, יא שרמוטות בני זונות. אימא שלכם זונה בת זונה. לפני מספר ימים פגשתי את מזכיר המדינה בלינקן. זאת לא רק המלחמה שלנו, זו גם המלחמה שלכם. זאת המלחמה של בני האור מול בני החושך. Il ment continuellement. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon. Free Gaza? Free Gaza quoi? Pourquoi? Y'a quoi Free Gaza? Y'a quoi Gaza? Une publicité d'un promoteur immobilier israélien a créé la polémique. L'agence a publié un croquis d'habitation au milieu des ruines de Gaza, avec pour légende « Une maison à la plage n'est pas un rêve, nous sommes en train de travailler pour préparer le terrain ». Il n'y a pas de bras fer avec personne. Israël, c'est ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est unie aujourd'hui, il n'y a pas de bras fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Il ne faudrait pas se plaindre après. Please be seated. Plus de 40 000 Palestiniens sont morts sous les bombes israéliennes. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Parmi ces 43 000 victimes, beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans, beaucoup de familles. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité
de l'État d'Israël. Ces bombes ont déchiqueté des gens brûlés vivantes ces dernières semaines. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Là, dans les ruines de cette école de Gaza dévastée, un soldat s'esclave en pianotant sur un clavier d'ordinateur. Ici, d'autres se filment, hilars sur un vélo au milieu des ruines. Ils sont complètement fumés, quoi. Ainsi que le révèle une enquête publiée dans le journal Le Monde, qui cite le directeur d'une organisation israélienne des droits de l'homme. On a vu ce genre de comportement dans le passé. Mais ce niveau de violence et sa légitimation disent beaucoup sur l'attitude générale des soldats dans la bande de Gaza. Destruction, mépris de la propriété palestinienne, humiliation et déshumanisation. Toutes ces vidéos sont le symptôme d'un malaise profond. Je pense que c'est à mettre à l'honneur de la morale d'Israël. I can tell you categorically, there is no army in the world that acts in a more moral fashion than the army of Israel. Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un artilleur israélien déguisé en dinosaure. Après avoir bombardé Gaza, il danse au son des basses sur le toit de son blindé. Ici, ce soldat se met en scène en train de faire de la publicité pour un salon de coiffure au milieu de cadavres. C'est la misère. La misère noire avec les colonnes. Free Gaza ? Free Gaza quoi ? Pourquoi ? Il y a quoi Free Gaza ? Il y a quoi Gaza ? Ce sont des hommes presque nus, assis en rang les uns derrière les autres, au milieu d'une rue, quelque part, dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne qui a diffusé ces images, ce sont des prisonniers palestiniens. Certains seraient des partisans du Hamas qui se seraient rendus. Ces prisonniers auraient été forcés de se déshabiller avant d'être fouillés et emmenés vers une destination inconnue. Nous avons un צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. This is pure anti-Semitism. I, the Prime Minister of Israel, care more about Palestinians than their own leaders do. Il y a une blague très rigolote en Israël qui dit « Comment sait-on quand Netanyahou ment ?» C'est quand ses lèvres bougent. Benjamin Netanyahou est le menteur en chef depuis qu'il est au pouvoir, et donc il ment continuellement. Let me preface these remarks with I never, never, ever believe Israeli figures. I've been in the government too long to know that the Israelis are patent liars. In their intelligence community, in their propaganda community, certainly, and in their leadership, they are inveterate liars. Let me say that again. They are liars. Et donc, ils mentent continuellement. Je mens tous les jours. Nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. La décadence est en marche. Palestinians in Gaza are subjected to relentless bombing wherever they go. They are killed in their homes, in places where they seek shelter, in hospitals, in schools, in mosques, in churches. Le futur est sombre. Noir est l'avenir. Le service militaire façonne la mentalité de toute la population. L'immense majorité de nos jeunes gens est incorporée dans l'armée. Ce qu'ils voient là-bas, c'est tout et son contraire. D'un côté, une armée qui se veut populaire, comme l'étaient les unités d'une halle. Et de l'autre, une armée d'occupation cruelle, semblable à l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Semblable, pas identique.
Et je ne parle pas de son comportement avec les Juifs, qui était tout à fait hors norme, avec ses spécificités. Je parle de sa façon de traiter les Polonais, les Belges, les Hollandais, les Tchèques. C'est un trait extrêmement négatif que nous avons acquis là. Nous sommes... J'ai peur de prononcer ces mots, alors je ne vais pas les dire. Nous sommes devenus... cruels. Envers nous-mêmes. Mais surtout envers la population que nous contrôlons sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Nous sommes devenus cruels. Vous êtes méchants. Voilà les petits loups, écoutez ça. To our Christian friends around the world, Merry Christmas. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il me donne envie de vomir. Merry Christmas. Christmas is supposed to be a time of goodwill to all men, and we certainly don't see goodwill to all men. We're facing monsters. Hamas are new Nazis. Hamas are the new Nazis. קצת ברביקיו, תענוגית. אתם תמותו. לא, אין לכם לאן לחזור, אתם... Guys, we're bombing Gaza right now. לכל מי ששאל למה אין לימודים בעזה, אופס, נפל לנו טיל עליכם, איזה בסיו, חבל. Impunité de l'État d'Israël. 1,2 million de Libanais sont déplacés. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Bombardement par l'armée israélienne des troupes de l'ONU, les casques bleus dans la région. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Accusation de génocide contre le peuple palestinien. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité d'Israël. Pourquoi une telle impunité? Pourquoi des sanctions contre plein de pays et pas de sanctions contre l'État d'Israël? C'est la question qu'une grande partie d'humanité se pose. Pourquoi vous, madame, ministre des Affaires étrangères d'un pays d'Occident, pourquoi n'imposez-vous pas des sanctions contre Israël? Cette question... Je vais vous la répéter. Répondez-moi à cette question. Pourquoi pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? J'écoute votre réponse, Madame la Ministre. Quant aux sanctions, comme je vous l'ai expliqué, il faut l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne pour en adopter. J'espère que vous comprendrez cette nécessité liée dans les traités de l'Union européenne. C'est nul! Tous les jours, il y a des morts supplémentaires, Madame la Ministre. Et à la question de savoir si la Belgique peut imposer elle-même des sanctions, la réponse, elle est oui. Et évidemment, vous le savez très bien, des armes transitent encore par la Belgique pour fournir l'armée d'Israël. Des investissements se font encore en Israël. Vous le savez très bien, Madame la Ministre. Vous n'avez pas répondu à la question « Pourquoi pas de sanctions ?» Et la raison pour laquelle il n'y a pas de sanctions, c'est l'hypocrisie, c'est le deux poids, deux mesures, c'est la vitesse avec laquelle vous acceptez et vous appliquez des sanctions vers d'autres pays dans le monde et pas vers Israël, montrait très bien l'hypocrisie géostratégique. C'est une question de pouvoir, de suivi par l'Europe des États-Unis d'Amérique dans leur logique impérialiste. Et ça, Madame la Ministre, c'est déplorable. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des Juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Ah, on sera bien malin après derrière dire « Oh ouais, peut-être qu'on a critiqué Israël un peu trop vite. Netanyahou, mais il a des épaules comme ça. » Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. « En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. » Oh bon ?
Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Nous avons porté plainte auprès de la CPI. Ça ne s'appelle pas une plainte dans le langage de la CPI. Ça s'appelle donc une information transmise qui apporte tous les éléments de preuve que M. Macron, président de la République, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Stéphane Séjourné, et l'ex-premier ministre, M. Gabriel Attal, se sont rendus complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide à Gaza. En apportant un soutien militaire, un soutien diplomatique, économique, moral, inconditionnel, depuis le début des bombardements sur Gaza le 8 octobre, non seulement n'ont pas rempli leur rôle qui est de prévenir ces crimes de guerre et de génocide, mais les ont encouragés par tous les moyens que nous détaillons dans le document. C'est bien entendu impossible de vous dire ce que les juges de la CPI vont faire avec le document qu'on leur envoie. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des crimes imprescriptibles et que donc, en fonction du rapport de force, de l'évolution de la situation, de la mobilisation de la population dans le monde, les trois personnes que j'ai citées, messieurs Macron, Attal et Séjourné, je dirais que leurs noms sont ineffaçables. À partir de maintenant, tout laisse à penser que s'il y avait eu des mesures qui étaient prises, s'il y avait eu des sanctions, s'il y avait eu des appels à l'ordre et de la part de ces dirigeants au lieu d'encouragement, eh bien Netanyahou n'aurait pas pu se permettre d'aller si loin et pendant si longtemps. This is pure antisémitisme. Discours typiquement antisémite, voilà. Benjamin Netanyahou et son gouvernement toujours sous pression en Israël. Plus de 1800 personnes, israéliens et franco-israéliens, signent ce week-end une tribune dans Libération. Ils appellent à une pression internationale pour que Israël cesse, je cite, le massacre. Sur ces images, des paysans palestiniens sont empêchés par des colons israéliens de récolter des olives en Cisjordanie occupée. Sur ces terres a lieu la plus dangereuse saison de cueillette des olives de tous les temps, selon des experts mandatés par l'ONU. Jeudi 17 octobre, une Palestinienne récoltant des olives sur une exploitation a été tuée par un Israélien, à Jénine. Plus tôt cette semaine, l'ONU partageait cette vidéo. On y voit un champ d'oliviers dévasté, coïncidant avec des menaces de la part de colons israéliens. Ces groupes extrémistes harcèlent, intimident et attaquent les paysans palestiniens pour les dissuader de revenir sur les territoires colonisés. Les attaques ont augmenté depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Sur ce territoire, occupé depuis 1967 par Israël, les cultivateurs palestiniens doivent souvent obtenir des permis pour accéder aux parcelles agricoles. Des ONG sont même dédiées à la protection des paysans palestiniens en les escortant jusqu'à leurs parcelles. Cet été, des volontaires internationaux avaient été agressés par des colons israéliens alors qu'ils protégeaient des paysans en Cisjordanie. This is pure antisemitism. Sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. J'ai été moi-même traité d'antisémite pour avoir dit le jour de Noël qu'il fallait avoir une pensée pour ceux qui étaient sous les bombes à Gaza. Est-ce que ça fait de moi un antisémite de dire ça? Je ne crois pas. Discours typiquement antisémite, voilà. Merry Christmas. Le crime de génocide, il est prévu à l'article 6 du statut de Rome. C'est le crime qui consiste à vouloir éliminer un groupe en raison de son identité. En droit pénal international, on a une définition restrictive de ces identités. C'est l'identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Et c'est uniquement les groupes qui relèvent de ces identités-là qui peuvent être victimes de génocide. Et la spécificité du génocide, et c'est ce qui en fait ce crime des crimes, c'est que vous êtes tué en raison de votre identité. Ce qui veut dire qu'on va tuer le nourrisson, on va même aller chercher le fœtus dans le ventre de la mère et on va tuer jusqu'à la personne de 90 ans ou plus. Parce que on ne veut pas seulement tuer dans le génocide. C'est un crime d'éradication. Et éradication, et au sens latin du terme radix, là,
On va tuer le groupe jusque dans ses racines. On va chercher les racines du groupe dans la matrice du corps de la femme. C'est un crime d'extermination. Extermination, on a terminus là. On tue jusqu'au dernier. Et c'est ça la spécificité du génocide, c'est qu'on veut éliminer le groupe. En plus, dans un génocide, en face de soi, on n'a pas des résistants, on n'a pas des combattants, on n'a pas même des opposants. Dans un génocide, on a des personnes qui ont le malheur d'être nées. C'est leur identité qui les désigne à la mort. C'est l'identité qui est mortifère. Et ce qui distingue le crime contre l'humanité du génocide, on est dans des crimes de masse, on est dans des crimes collectifs, on est dans des crimes planifiés. Mais dans le crime contre l'humanité, on n'a pas la volonté d'éliminer le groupe en raison de son identité, ce qui est la spécificité du crime de génocide. Ce qui veut dire qu'au niveau de la poursuite, ce qui est extrêmement difficile, c'est d'aller prouver cet élément intentionnel. Les Palestiniens de Gaza, enfants, femmes et hommes, sont plongés dans un cauchemar sans fin. Des communautés ont été décimées, des maisons démolies, des familles entières et des générations anéanties. La faim et la famine s'abattent sur la population. Ce qui est extrêmement difficile, c'est d'aller prouver cet élément intentionnel. לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. העזתים, מבחינתי שירבו למוות, מה אכפת לי מהם? אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Le nord de la bande de Gaza est plus beau que jamais. Tout est détruit et rasé. Tout simplement un plaisir pour les yeux. Maintenant, nous avons tous un but commun. Effacer la bande de Gaza de la surface de la terre. Ce discours de l'extrême droite israélienne est absolument odieux. Il n'y a pas d'autre mot. Non, arrêtez s'il vous plaît. Écoutez, si c'est vous, cet interview, il est pour être... pro-palestinien, je l'arrête immédiatement. Mais moi, je vous dis, comme israélienne, je suis israélienne, il faut les bombarder, il faut les arrêter, il faut les effacer. On doit bombarder, on aurait pu jeter une bombe atomique et les effacer. Rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Il faut les effacer. Larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution pour l'interrogation. Réponse d'Amichai Eliyahu, c'est une option. Ils sont messianiques, racistes. Ces gens-là sont des criminels qui ont été surveillés par les forces sécuritaires à cause de leurs actions contre l'État. Ils veulent que l'État d'Israël annexe tous les territoires occupés. Et pour y parvenir, ils veulent expulser tous les Arabes. Le Grand Israël, une annexion, quoi qu'il en coûte. Bien qu'ils représentent à peine plus de 10% de l'électorat, leur influence est devenue majeure. Si Netanyahou les lâche, ils font tomber son gouvernement. Si Netanyahou les laisse faire, ils imposent leur agenda. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Enquête sur ces ministres du chaos. Contre qui de nombreux Israéliens s'élèvent. Si vous m'aviez demandé il y a encore 2 ou 3 ans qui était Ben-Gvir, je vous aurais dit, c'est l'un de ces fanatiques les plus violents qui veulent expulser les Palestiniens et les tuer. Bonjour, shalom, salam alaykoum. Israël, le peuple israélien va gagner. Gagner avec sa justice, il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Allô, passez-moi ta brochure, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. D'autres infos sur la chaîne Info, à vous. D'autres infos sur la chaîne Info, allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir, aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave, merci infiniment. Ça n'a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé. Je vais pas être méchant, mais il n'y avait pas grand-chose à léser. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Samedi soir à Tel Aviv, des milliers de personnes manifestent sur la place Abima. Aujourd'hui, ils accusent le Premier ministre et sa coalition d'avoir semé le chaos au sein de la société et de l'armée israélienne et de ne pas les avoir protégés. Il n'y a pas de bras fer avec personne.
Israël sait ce qu'elle a à faire et Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Le gouvernement est une bande d'idiots. Ils sont en train de nous conduire au pire. Bibi Netanyahou et tous ces autres idiots sont en train de ruiner Israël et de détruire tout ce que nous espérions et ce dont nous rêvions. Le Nicaragua attaque l'Allemagne pour son soutien militaire à Israël. Managua estime que Berlin se rend complice de la violation du droit humanitaire dans l'enclave palestinienne. Près de la moitié des armes importées par Israël en 2023 venaient d'Allemagne. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Vous avez envoyé des avions de chasse européens protéger les bases militaires israéliennes. Mais en 6 mois, aucun enfant palestinien n'a mérité votre protection. Aucun. Est-ce qu'une base militaire israélienne vaut mieux que la vie des 15 000 enfants palestiniens? Alors soit le droit international vaut pour tous de la même façon, soit nous sombrons dans un monde où règne la loi du plus fort et le chaos, nous n'avons rien à gagner là-dedans. Et votre deux poids deux mesures est en train de torpiller à une vitesse inouïe le peu de crédibilité qui restait encore à l'Union européenne sur la scène internationale. Franchement, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Votre vie et de la vie du monde, ce conflit qui est en fait de la petite pierre, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes. On s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité. Et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. Je dis quand, hein ? Tous verts ! Je dis quand, hein ? Tous verts ! Je dis quand, hein ? Tous verts ! Je dis quand, hein ? L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Et ta grand-mère, grosse de tes morts. Tkarrah al Fransaouin, fil Jazair. De ma can. Tahia al Jazair, ou n'a al Bouli ma habnas. Femni. Tahia al Jazair, vive l'Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui n'a pas besoin du tout de cela pour exprimer sa haine. Sa haine vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est un pays qui est d'abord basé sur le ressentiment, la haine de la France et des Français, et la haine qui est assez cohérente. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. C'est un pays, pardon, qui est en faillite économique, politique, qui opprime le peuple kabyle. Non. Comment ça, je bois pas un peu de gazon, j'ai un peu de limonade. Avec un dictateur à sa tête et qui a un langage démagogique. Il vit en faveur Et si, non mais ce que je veux dire, si d'aventure, par une pure hypothèse intellectuelle séduisante, demain nous avions un gouvernement israélien fort, cohérent et constructif, ça ne changerait strictement rien à la détestation tout à fait particulière de la dictature algérienne d'aujourd'hui. Nous sommes tous des sionistes. La bande de gangsters, la petite mafia minable. L'objectif de l'Algérie, est-ce que ce serait, on a parlé de l'armée, le président qui parle de l'armée, c'est nourrir un petit peu aussi les fantasmes dans le monde arabe-musulman ? Mais bien entendu, de toute manière, encore une fois, pourquoi voulez-vous que les Algériens soient moins fanatisés contre Israël que la France insoumise ? Il y a aujourd'hui, c'est métaphysique, jamais l'État d'Israël n'a suscité autant de détestation au niveau planétaire qu'aujourd'hui. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. C'est lamentable, c'est lamentable, c'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Il faut comprendre cela. Parce que le sionisme, c'est ça. La victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie,
c'est la victoire de la France. Et ce moment-là, vraiment, je veux dire, le gars, il veut nous mettre dedans, tu vois. Il veut nous mettre dans le même panier dans lequel il se trouve avec tous les autres criminels de guerre. Genre, la victoire de la France, c'est de massacrer des civils, des femmes, des gosses, c'est de torturer des journalistes, des humanitaires et des innocents. C'est ça la victoire pour la France? Non! Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Exactement. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. 103 journalistes morts à Gaza, Netanyahou dans un fauteuil aux 20h, dans quel but, pourquoi TF1? Et c'est vrai que rien qu'au vu du fait que ce mec a tué plein de journalistes, c'est incroyable que des journalistes en France se permettent de faire ça, quoi. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Dégage, goutte-la. Attawajja, ila ikhwanina fil jazair, diyaqifu hazihi alwaqfa, wa ana azkur qawl لبعض إخواني المجاهدين أيام الثورة الجزائرية كانوا يقولون أننا لا نستطيع أن نقول أن الجزائر قد حررت ما دام فلسطين تحت نير الاستعمار. ليش هذا معلقها؟ أنت من الجزائر؟ لا أعشق الجزائر. أوف ليش؟ ها؟ الجزائر شقيق الفلسطيني. لهالدرجة أنتم تحبون علقت علمهم هنا؟ نعم نحب الجزائر. ما شاء الله والنعم والله. راح أوصل الرسالة هذه للجزائريين إن شاء الله. من وين؟ أنا من الصومال. يا أهلا وسهلا بالصومال. والله الجزائريين أنا متأكد يحبوكم أكثر ما تحبونهم. نعم احنا برضو بنحبهم. والله شوفوا يا الجزائريين معلق علم في مطعمه كامل ما شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم. أشوفكم على خير. نختم موضوعنا مع معمر قذافي بشهادة عائشة بنته اللي في وقت معين كانت في الواجهة أيضا في ليبيا. خلينا نشوفوا هذه الشهادة. اتجهنا إلى أقصى الجنوب غدا مس واختبأنا في مغارة بالصحراء لمدة أسبوع، لكنهم ترصدوا حركاتنا عبر الأقمار الصناعية وتم كشف أمرنا. صلى والدي ركعتين في الخلاء على الرمال ثم نادانا أن نجتمع عنده. سألنا عن اقتراحاتنا للخروج من هذا المأزق. قلنا لوالدي أنه صاحب القرار وأن يختار أين نذهب وسنوافق بلا تردد. تنهد عدة مرات ثم قال: اذهبوا إلى الجزائر، اذهبوا إلى الجزائر. ما رأيت منهم سوءا لخمسين عاما. في الجزائر ستعيشون أحرارا. الجزائر لن تسلمكم للناتو والناتو لن يتجرأ على الدخول إلى الجزائر، أنا متأكد من هذا. قاطعه أخي خميس: يا والدي أنت تتكلم عنا، وأنت ألن ترافقنا؟ فأجابه: أنا رفيق شي غيفارا، أنا رفيق تيتو، أنا الذي عاصرت كل الأبطال والأحرار والثوار. لا يعقل أن أستسلم أو أهرب أو أموت في أرض غير أرض الفاتح العظيم، أرض عمر المختار. أنا معمر القذافي، أنا ابن القذاذفة، أنا جندي ثوري، أنا حامل كتاب الله في قلبي. يا أبنائي سيروا على بركة الله، وإذا صادفكم خبر وفاة يوما فلا تهنوا ولا تحزنوا، أبوكم شهيد شهيد. Algeria is my country. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens. The government and people of Algeria have given us tremendous massive support in the form of funds, in the form of materials, in the form of weapons, and in the form of moral support. Je l'assume, oui, c'est ta collabo, c'est ta collabo. Gaza est un test de résistance. Et ce qu'il a montré, c'est un Occident raciste, quelle que soit la manière dont vous voulez définir le terme. Le point est que ce qui se passait pour les Gazaouis, si cela se produisait ou était infligé à n'importe quel Européen, vous n'auriez pas cette réaction, non pas blasée, mais cette complicité. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices, avant, pendant et après le fait. C'est l'homme le plus puissant d'Israël. Cela fait plus de 15 ans au total que Benjamin Netanyahou gouverne l'État hébreu. La société israélienne est suffisamment folle pour le maintenir. Bourreau des Palestiniens. Une scène qui restera dans les annales des Nations Unies le vendredi 27 septembre 2024
avant même d'entamer son discours, Benjamin Netanyahou voit l'Assemblée générale de l'ONU se vider. Des diplomates de tous les continents boycottent sa prise de parole. Le premier ministre de l'entité sioniste est accueilli par des sifflets, une séquence rarissime dans l'antre de la diplomatie internationale. Un accueil glacial pour celui qui refuse tout cessez-le-feu, malgré l'appel de ses alliés. Netanyahou dit prendre la parole à l'ONU pour contredire les mensonges et déclare « Israël veut la paix ». Pourtant, l'entité sioniste est en guerre sur six fronts différents. L'entité sioniste veut la paix. Pourtant, les premiers responsables sionistes sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international requis par le procureur général de la Cour pénale internationale. L'entité sioniste veut la paix, pourtant elle se retrouve sur le banc des accusés à la Cour de justice internationale, accusée de génocide à Gaza par l'Afrique du Sud. Il déroule ensuite une série d'arguments face à une assemblée qui continue de se vider, citant même la Torah pour justifier les agissements sionistes, négligeant le droit international et ses règles. C'est en réponse à toutes ces incohérences que des diplomates des quatre coins du globe ont décidé de quitter la salle, préférant ignorer les accusations de Netanyahou. Par ce boycott, ils démontrent collectivement l'isolement de l'entité sioniste sur la scène internationale, un état voyou qui se voit justicier. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël, Israël. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire, c'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Ouais, c'est pas faux. Netanyahou, il va nous mettre dedans. Bonsoir à tous. Et ben voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct. Comme on dit, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il me donne envie de vomir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée. C'est de la merde! Non, c'est Cloug. Oui.